Les ruptures amoureuses, c'est nul. Moi, la première fois, j'ai 24 ans. Je me sens comme une vieille chaussette sale, abandonnée au fond du panier à linge. Pour aller mieux, je pars m'acheter des robes, alors qu'à l'époque, je déteste les robes. C'est plus tard que je comprends pourquoi je fais ça, grâce à ma thèse. Comme tout le monde, je suis éduquée à suivre certains codes de conduite qui m'assurent une valeur au sein de la société. Ces codes, c'est comme une grande matrice qui nous dit quoi faire pour bien faire. Le problème, c'est que certains de ces codes menacent aujourd'hui notre survie. Ceux qui soutiennent la croissance économique, le fait de produire et consommer toujours plus. Ce toujours plus dépasse les limites de la nature. Depuis des dizaines d'années, des rebelles cherchent et trouvent des alternatives, mais on n'en parle pas, ou si peu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous attache à cette matrice de croissance ? Peut-on en sortir, et si oui, comment ? Moi, je viens de la psychologie. Dans ma thèse, j'explore une hypothèse assez dingue qui prétend que derrière toutes ces questions se cacherait notamment notre peur de la mort. Fun, hein ? Bah, comment étudier ça ? D'abord, je lis pendant des mois et des mois pour créer un cadre théorique qui rassemble plusieurs questions existentielles, du style « c'est quoi le sens de la vie ? » Est-ce qu'on est libre, en fait ? Puis la mort dans tout ça. Selon les recherches dans le domaine, on pourrait vivre ces questions selon de grands modes. Disons, le mode autruche, on évite d'y penser, ou le mode réflexif, on y pense avec attention. Ensuite, je pars interroger de vrais gens, des rebelles sortis de la matrice, ainsi que d'autres pour qui, bon, la décroissance, c'est un peu le retour à l'âge de pierre quand même. Et puis j'analyse méticuleusement mes entretiens. Dans ma thèse, je prétends que ce qui nous attache à la matrice de croissance, ce serait le mode autruche. Parce que dans ce mode, on fuit ce qu'on ressent et on se réfugie dans les codes de cette matrice, un peu comme un réflexe inconscient, mais peu efficace. Mes robes, elles boostent mon estime de moi, mais pendant 2 minutes seulement. Ce qui m'aide vraiment, c'est creuser ce que je ressens pour y trouver mon sens. Et je prétends aussi que ce toujours plus de la croissance nous maintient dans ce mode autruche, parce qu'il faut du temps pour sortir de ce mode et que ce toujours plus ne nous laisse pas ce temps. Pourtant, ces codes, c'est nous qui les faisons, on peut donc en créer de nouveaux. Mais ça demande de ralentir, de chercher du sens et des ressources ailleurs que dans la matrice de croissance, en forêt, en montagne, auprès de ses proches. Apprivoiser l'idée d'être mortel pour apprendre à vivre pleinement. Tout ça semble aider les rebelles à vivre dans une forme de frugale et joyeuse abondance. Et si la bonne pilule était déjà en nous ? Et si la décroissance n'était pas un retour à l'âge de pierre, mais bien un chemin viable vers des futurs possibles ? Et si nous poser ces questions aujourd'hui dans cette salle était déjà la preuve que nous sommes, d'une certaine manière, déjà sortis de la matrice ? Oui, je oui. Moi, je dis que oui.